Vert bariolé, avec d'énormes palmures entre les doigts et les orteils, voici la grenouille volante de Wallace. Non seulement cette grenouille peut voler, mais à l'aide de ses pattes postérieures, elle bat une substance qu'elle sécrète pour la transformer en un nid de mousse, prête à accueillir les œufs. Les têtards peuvent alors se développer à l'abri de leurs prédateurs. Une fois éclos, les têtards tombent du nid dans l'eau.